Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un squad builder de fou. Mais avant de parler de ça, calmons-nous un peu. J'ai une petite raison à vous faire, tout simplement. J'ai tourné avec Wada de la chaîne Wada Gaming, l'épisode 2 de sa série Wada vs YouTuber. Donc je vous explique le principe, il fait des matchs contre des YouTubers, donc cette fois c'est moi. Et vous devez deviner dans les commentaires de cette vidéo et de sa vidéo annonce, qui est sortie normalement aujourd'hui en même temps que moi, elle est sortie à 18h, le score du match, et les personnes qui auront choisi le bon score, on va faire un tirage au sort, normalement c'est moi qui m'en occupe, de qui va gagner les 20 000 crédits, donc 10 000 de ma part, 10 000 de sa part, c'est très simple. Voilà, je vous explique vite fait, la première période sera sur sa chaîne, où je vais vous laisser la notation dans la vidéo, là normalement en bas à droite. Tu pourras aller cliquer, t'abonner, mettre des j'aime et tout, parce qu'il y a des super vidéos. Et la deuxième vidéo sera sur ma chaîne. La deuxième mi-temps sera sur ma chaîne, voilà, je me perds. C'est tout, rien de plus simple, donc n'oublie pas d'aller checker la chaîne Awada, vraiment, il fait des super vidéos, des bons délires, vraiment. Voilà, on passe à ce pourquoi t'as cliqué sur la vidéo. Le Squad Builder BPL ultra offensif et compétitif. Directement on part avec le gardien. Il s'agit de Simon Mignolet. Donc voilà, je l'ai pris parce que je l'ai payé 800 crédits, t'as vu. J'allais pas cracher dessus, en plus il est fort. Donc voilà, pareil pour José Enrique. Il a des stats super convenables pour un défenseur gauche, 81 en physique sur des en défense, 81 en vitesse. Une bête, franchement, je le surkiffe. Vraiment, il y a les défenseurs, et en particulier le défenseur droit, je suis amoureux. Le défenseur droit, il est énorme, énorme. Ogbonna et Okoré, deux monstres. Ils sont super compétitifs et complémentaires. Ogbonna, 73 de vitesse, 83 en défense, 83 en physique. Okoré, 83 en physique, 76 en défense, 81 en vitesse. Donc vraiment ultra, ultra complémentaire. Le défenseur droit, il s'agit de Branislav. Je sais pas si j'ai bien dit. Ivanovic. Branislav Ivanovic, tranquille. Direct du bandit. 1100 crédits. Théma, ses stats. 1m85. 87 de physique, 87 de défense, 84 de physique. 65 de vitesse, 1m85. Le type, il est défenseur central, il coûte 20 000. Hein. Un monstre. Et il coûte 1000 crédits parce qu'il défense en droit. Mais vraiment, c'est un monstre. Le premier milieu central de cette équipe, il s'agit de Aaron Ramsey. Je préfère le faire jouer à droite, tout simplement. Et le deuxième, Ander Herrera. Donc vraiment, c'est des maestros. Ramsey, il ratisse. Herrera, devant, il envoie des caviars. Rien à dire. Et le troisième MC, Axial. Il s'agit d'un MDC. Il s'agit de Fernando. Donc vraiment, c'était un coup de cœur l'année dernière. Et cette année, vraiment, je le re-kiffe encore une fois. Il est monstrueux. Voilà, tout simplement, il est monstrueux. On arrive au trio offensif. Le MOC, Moussa Sissoko, le français. Il est énorme. Vraiment, il est super, super fort et super complet. Vraiment, je le surkiffe cette année. Le buteur à droite, il s'agit d'un buteur belge que vous aurez sûrement vu dans la miniature. Il s'agit de Benteke. Le géant Benteke. Un monstre. Vraiment, Benteke, c'est l'abus. Tout simplement, c'est l'abus. Et le buteur gauche. Le buteur gauche, les gars. Le buteur gauche. Si je m'en sors, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Argentin. Kun Agüero. Les deux devant, c'est un viol. Si tu passes avec Benteke au physique, t'as Agüero qui te fait un petit appel sournois, là. Pouf, tu le glisses, il la met au ras du poteau. Ou alors tu passes en vitesse avec Agüero, et t'as Benteke, il vient, il met des coups d'épaule dans la surface, et pouf, il met son gros crâne. Un viol. Quand je vous ai dit c'est un viol. On arrive au moment statistique. J'ai fait 7 matchs avec l'équipe, et j'ai gagné 6 matchs, et j'ai fait un nul. Donc vraiment, une équipe monstrueuse, vraiment. Si vous avez les crédits, bon bien sûr, Agüero, je m'imagine que pas tout le monde a les crédits pour se le payer. Mais vraiment, elle coûte aux alentours de 210 000 crédits grand max. Parce que Agüero, il monte, il descend depuis. Je comprends rien, moi, ce qui se passe. Il monte, il descend. Bref,
Vraiment 200 000 crédits pour une équipe comme ça, c'est sûr qu'il y a que Agüero qui est cher dans cette équipe, mais elle est tellement forte. Donc si bien sûr vous avez plus de crédits, faut mettre plus de gens, de mecs qui pèsent dans l'équipe, tu vois, tu mets Coutinho et tout, mais elle est forte comme ça, moi je touche pas, tu vois. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième annonce de l'équipe. La deuxième annonce, tout simplement, je pense qu'il y en aura beaucoup, beaucoup qui auront déjà capté, parce que j'en ai parlé dans une vidéo un peu avant. Un player review, ça va être le player review de Kun Agüero, 87 de général. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle va sortir normalement, je vais pas vous dire le date, parce que ça va être tendu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tu dois t'abonner. Tu dois pas t'abonner, tu peux t'abonner. Parce que cette semaine, ça va être lourd en vidéo, mais quand je te dis lourd, mardi, match contre Wada, un match de folie. Encore une dernière fois, allez checker sa chaîne, parce que vraiment, il fait des bêtes de vidéos, et franchement, même, je me marre sur ses vidéos, franchement, c'est, il fait des bêtes de vidéos, et ce mec-là, il doit pas rester à 700 abonnés, vraiment, il est énorme. Donc voilà, mardi, 18h, match contre Wada. Jeudi ou vendredi, épisode 2 d'Objectif D1. Donc, vous avez été pas mal à me dire que le concept vous a plu. Donc, si le concept vous a plu, moi ça m'a plu, tu vois. Si je te fais plaisir, ça me fait plaisir, tu vois. Et normalement, c'est soit samedi, soit mercredi. T'as la review d'Agüero qui vient se glisser par là. Et vraiment, je vais pas vous montrer les stats que j'ai avec lui pour l'instant. Ça serait abusé. Mais, des buts, ça pleut. C'est incroyable. Vraiment, ne ratez pas cette vidéo. Si abonne-toi pour rater aucune vidéo, parce que cette semaine, ça va être une dinguerie en vidéo. Il y a des clips à la fin de la vidéo, t'inquiète pas, mais pas un dislike, il y a des clips qui arrivent, t'inquiète, je parle, mais il y a des clips qui arrivent. Donc voilà, si l'équipe t'a plu, lâche un petit like, dis en commentaire ce que t'en as pensé, si t'as testé les joueurs de l'équipe, si tu veux conseiller les autres pour changer des joueurs. Mais voilà, moi j'ai testé comme ça l'équipe, elle m'a plu, donc peut-être elle va vous plaire, je sais pas moi, dis-le. Partage à tes potes, à ton cousin, à ta cousine, à ton tonton si tu veux, tu fais ce que tu veux, tu partages, ou tu la gardes pour toi, tranquille. Abonne-toi pour rater aucune vidéo, t'en auras d'autres. Et voilà, c'est tout. Et ce que je dis, follow-moi sur Twitter, si t'as envie de me follow sur Twitter. Commente, comme tout à l'heure. Et je vous laisse en musique pour les clips. C'était Guillaume CHD. On se dit à plus pour une prochaine vidéo.